Il racontait comment un ministre intérieur a flané bon Jacques Mel. Et puis le ministre intérieur a sorti dans un jeep, il y a un bon habitant qui a fait combite. Et puis le ministre intérieur a harangué pour faire propagande pour le gouvernement. Dit Jean, gouvernement Jean-Claude a son bon gouvernement pour habitants, va comme ça. Et puis il y a un habitant qui dit ah, est-ce qu'on ne parle pas, non, on parle en pile. Je dis c'est que on a fait ça. Nous parlons la parole. Je ne suis pas content de mon monde. Mais belle bagarre que je voulais raconter, c'est que M. était derrière pour me débattre l'identité de compère Philo. Il n'y a pas de compte qui monde ça dit. M. Jésus, M. Tapman, le bon nom, compère Philo. Mais Jean, vous avez dit là, vous dites que au ministre, parce que moi, si je connais, comprenez, je dis que je ne connais même pas. Et, mais vous dites mon ministre, osez prendre position contre créole. Et ça étonne moi. Et où croyez monsieur et la classe, c'est-à-dire que monsieur Duvalieris, il a toujours dit qu'il a abgoumé pour la promotion des masses. Comment vous êtes capable de faire mépriser la langue masse là? Comprendre, ça c'est un bagage qui est paradoxal. C'est un bagage qui met en lumière, je ne comprends pas. Le bagage qui est paradoxal pour moi, c'est l'attitude de Weber Guerrier face à phénomène qu'on peut filo. Attitude de. D'ignorance d'abord, parce que je ne sais pas qu'il y a des intérêts. Et puis, je me demande qui identité, qu'on peut filo. Et là, moi-même, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, parce que l'homme, je ne sais pas qu'on aime, dans la tête, je me dis, je ne sais pas, d'où. Pour, monsieur, dit, mais vous, le moins, non, c'est un petit malheureux, là, c'est un petit malheureux. Ça, c'est un petit nec quand ça patte. C'est un petit nec quand ça patte. Ça patte, pied à terre. Ça, c'est le petit peuple-là. C'est corrompu au complet. C'est corrompu au complet. Il ne va faire pour le monde du tout. Même. Il va faire pour le caractère. Moi, expérience ça, joue ça, c'est un bagage qui était effrayant et en même temps, j'ai envie de rire dans la figure. Mais je ne vais pas étendre sous anecdote ça, qui est quand même risible mais en même temps lamentable, parce que le révélé tempérament social qui tape épanoui là ça, pour nous essayer de ramasser ça ne fait que dire. Nous arrivons en 78, mais il faut nous capables. Démarrer tout pour 80 parce que dans le deuxième le programme non hein? Pas oublier que si programme ça Carrefour démocratie sous bataille démocratique avec presse haïtienne faite pour auditeur yo, pour tout auditeur yo, mais grand merci on tilou galan da kapran bat lam da même nous même raconter comment ça passé de 80 à 86. Bon, 80 86 sont période de en ce qui me concerne, son période lamentable. C'est-à-dire que me songeais que c'est dernier monde qui dans micro Radio Métropole annonçait que Jean-Dominique disparaît, que yo prend Marcus. Et me songeais phrase que me dédie des hommes en bleu, des hommes habillés en bleu, t'es venu au fait irruption la caille et dans Radio Métropole et dans la caille Marcus. Son 28 novembre 1980, son date mémorable pour moi. Me songeais l'été peut-être 6h30, 7h, l'on finit avec journal parlé. Hein. Marcus époque ça, l'été malade. Il n'y a pas de cap fait journal là. Et c'était moi qui était responsable journal là. Et M. Légon malaria. M. Rélemon, je dis Philippus, montez la cale. Je ne suis pas capable de faire journal là. M. dit moi, d'après information de votre point, ils font bagarre Radio Haïti. Je dis, c'est pas possible. Je dis, oui. Ils ont intervenu Radio Haïti, qui ont pris tout le monde. Son plaque capoulé, et puis aiguille là, et la passe sur le plateau. Ils ont fermé Radio Haïti. Ils ont bagarre nouvelle Jean-Dominique. Ils disent, annoncez le flash. Mettez flash là, et puis m'annoncez le. Bon. Je balle tout le temps. Le journal l'a fini. Je essayé d'aller au renseignement. Entre temps, je passe monter quand Marcus. Le ça m'arrive. 5 minutes après que me quittais Radio Métropole, je fais irruption à Radio Métropole avec mitraillette au point, je prends tout le monde. Là, je dis, je prends tout le monde. Monde qui a cherché, je ne sais pas quoi, c'était Marcus, je ne sais pas si Marcus n'est pas là. Ensuite, je plonge Kay Marcus. 5 minutes après que me quittais Kay Marcus, je arrête. J'aime arriver là quand même. Un jeune frère qui dit que on est au point Marcus, jetez-le. Je ne sais pas côté de moi. Plongé à Ebiwid Mayenne, Chitane, Bagan, et puis je n'ai pas communiqué. C'est une soirée
que m'pa gagne pas jamais oublier dans vie. Ou pas mettre point dit que moi même tout m'pa oublier. Bien que moi même pas qu'a dit que m'étais victime, c'est-à-dire victime comme journaliste, ça impressionné. Ah mais c'est ton bagage. Moi même pas ça encore et comme ta charnière pour moi. C'était qui m'a été marqué tout dans profession journaliste là, m'a retourné à l'époque avant 80. C'était jour arrestation Ezekiel Abela. Mais n'a pas passé sous ça. Et n'a pas tourné à 28 novembre 1980. Bon bagaille pour nous tout dire aujourd'hui. C'est qui cause économique 28 novembre tout. Parce que nous sommes parlé là de l'année 79, qui était très exaltant. En ce sens que le gouvernement du Valier a passé freiné. Et puis à chaque fois que le bon coup de frein, c'est Van dans l'ouvert. Parti politique a fait, journal a fait, association, syndicat, monté, grève a déclenché à la gauche, etc. D'essayer de mettre loi sous la presse pour cloître la presse, là, mais la presse a gommé toujours. Il y a un coup qui a fait les yeux pour essayer de freiner la campagne pour respect des droits humains, malgré tout. Il a continué. En 80, la bataille a continué toujours. 3 avril 80, il paraît avec une loi sous la presse. Côté bon, il était moins dur et puis côté le renoncer à sens sous théâtre là, il était moins de le fond bac. En 80 toujours, association a fait dans le pays à conférence, spectacle et émission de radio sous état provincial. A sorti, c'est entre autres en avril 80 que Philote fait fameuse émission sous Boat People Nord-Ouest avec Jacques Price. Mais même 80 ça a tout, nous prenons commencer à arriver dans une période côté un choc pétrolier qui fait que le prix gasoline monte encore. Prix manger commence à monter encore, à grimper. Et son période, tout côté café, prix café à sur le marché mondial, il commence à chuter. Et tout bagage ça vient aggraver la situation du peuple haïtien. Il y a davantage de people, il y a davantage de monde qui a gonflé dans la ville, exode rural. Et ça fait que le gouvernement du Valier, lui-même, l'attend que 4 finale, parce qu'il se rend compte que seuls gens pour le freiner monter contestation, ça a. C'est tant un contexte international politique qui favorable à lui-même. Parce que économiquement, le contexte international là, qui a des répercussions en Haïti, a mangé. Et il faut fermer la bouche des gens qui parlent dans le pays. Il faut fermer la bouche journaliste, il faut fermer la bouche intellectuelle, il faut fermer la bouche syndicaliste, il faut fermer la bouche homme politique qui est en opposition, etc. Et c'est ainsi qu'on voit que nous avons recommencé à bailler des signalements côté feu rouge d'approcher. Octobre 80, arrestation Philo. Octobre 82, arrestation Compé Plume. Comme journaliste radio classique, double arrestation pour Compé Plume. Me songe, pour moi-même, c'est particulièrement mon moment dans la première arrestation Compé Plume qui était très émouvant. L'homme d'Al fait une entrevue avec maman Compé Plume. Et pour moi, me songe ça, le radio a été passé à 9h du soir. J'ai un moment, maman, on a demandé pour lui. Pour l'abdi pour pouvoir, même s'il t'a non bagaille, même s'il t'a fait un bagaille, mais. Petit c'est petit moi lié c'est les mêmes qui tout moi dis-moi qui ça nous prend c'est un moment qui était poignant nèg vinn la game show vinn reprendre encore 4 novembre 80 c'est là chania vraiment quand est tombé monsieur tombé et nèg sorti un article dans journal pour dire monsieur balle la fini le bal est fini et là ça balle la fini c'était pour à travers Radio Haïti. C'était pour toute presse indépendante là, pour tout secteur démocratique là, qui te dit, bon monsieur, nous avons ça qui passé. Qu'on y a là, c'est fini. Jouette l'infini. Faites l'infini, nous prenons le mettre, qu'on passe tout nèg, et attention. Il y a un petit bagage, je vais signaler tout. Je ne vais pas continuer pour elle. Ascension, accession Carter à la présidence des États-Unis, et faire règne Carter là. C'est presse là t'es un genre plus libéral, t'es un genre beaucoup plus combatif d'une part. Et deuxièmement, le fait que vous profitez de interrègne ça. Le 4 paie du pouvoir, bien que le président toujours, il pour qu'on fait, il pour qu'on remette Mayette là à Reagan. Et c'est là ça vous profitez puis vous frappez. Et vous profitez justement comme vous avez dit Michel, en époque vous sautez sur occasion. Puis on frappe en presse, on connaît que le pape gagne rien comme répercussion, que Carter, il était gagné pied et main lié. Il était impuissant. Mais je voulais mettre deux petites précisions sous évocation, époque qui pour moi est très très sensible. D'abord, tout à l'heure, nous t'ai parlé de
lutte entre libéraux et ultra dans le régime. Là. Ça a été les dinosaures avec technocratio. Les barons. Les barons, oui. Lutte ça, et même quand nous pas assez jeté un coup d'œil sous lit pendant toute période ça. Et je crois que l'important ici, là, je m'étais toujours signalé pendant un temps d'exil, moi, l'homme t'a partagé l'expérience moi, avec un compatriote, moi, que pour ce qui me concerne, évaluation que m'était fait de contradiction, certes secondaire, contradiction qui n'est pas une contradiction fondamentale dans le régime, non, mais contradiction que m'était évaluée presque quotidiennement entre clan dinosaure, baron yo, avec clan technocrate, libéraux, soi-disant. Et à travers contradiction ça, moi tape joué constamment, et m'te gagne l'impression que presse indépendante, la presse démocratique là, t'es capable de jouer constamment pour t'es capable d'élargir l'espace là. Bon, il y a l'autre élément qui est intervenu, situation internationale, et aussi situation nationale sous base de espace là que t'as l'ouvri par en bas, que me trouvais qui est très important tout, parce que Philippe t'a fait remarquer, et me trouvait son bagage qui n'a pas insisté assez sous lui. Certes, les luttes ouvrières ils ont fleuri dans la saison ça. Et je suis capable de dire, bon, par contre, ça a devenu depuis lors, mais on est concours d'Antoine Jean-Pierre, c'est un élément qui te paraît, pour une espèce de révélation. Puis, camarade, non, Simon d'Haïti, pour moi, tout, bon, je te mène une bataille qui te paraît, une bataille extrêmement importante du point de vue stratégique, du point de vue conquête, étape par étape. Parce qu'il ne faut pas oublier que des syndicats m'accoutent. Et que vous commencez par subvertir le syndicat Makout là. Avec, il ne faut pas oublier tout dans la cour, font mon bain. C'est pas un petit jouet, non, c'était l'enfer, oui. L'homme gars n'est pas dit ça, bref, je vais m'entrer dans l'enquête là, va révéler le demain. Mais, je vais insister sur ça parce que nous devons au courant d'un deuxième niveau de combat dans ce peuple là. C'est Samre le niveau Bokozel là dans la Tibonite, habitant la Tibonite qui t'a marché sous Zachary, tandis que Makout Zachary t'a marché sur habitant la Tibonite. Et le ça, révélation que bataille ça, qui t'a déroulé depuis 68, 67, 68, petit morceau, petit morceau, l'homme vient mettre petite pièce ensemble, vient réaliser tes bons stratégies que t'a déployé. Et nous-mêmes, dans la presse là, nous venons involontairement et presque inconsciemment refléter stratégie ça justement parce que nous te mettre micro devant bouche malheureux nous te mettre micro nous te quitter le parler en créole et ça sont l'autre expérience pour partager avec auditeur et avec camarade moi soir je dis pardon c'est que créole rek m'a parlé qui t'a passé dans micro dans interview yo. Li gon tu pel gon fel gon et le man rete le fort pendant la raconte un bagay et puis li pa di plus mais nèg k ap konte la nan radio al konprann nou sa di la et nan sa jan pase et nan tu pe nan gen tout un maronaj d'un bagay que l'autre l'a décodé. Et à travers radio, parole ça, tout t'a parlé. Et je crois que si n'a pas évoqué l'époque ça, c'est un élément comme journaliste, comme professionnel et comme militant qui était une plus belle époque dans la vie. On parlé à jour 28 novembre, quoi bon, 28 novembre, réalisé brusquement d'en face la mort. Bon, la vie était grave pour enfin. L'homme a pesé en une seconde qui était un siècle. Il dit, est-ce qu'au fond, je ne vais pas faire ouais, je ne vais pas mourir. Et puis, ton madrette, expérience ça, il vaut toute ton vie. Et je crois que c'est expérience ça qui permet de comprendre réellement la bataille que le peuple a mené. Et qui ne fait pas saisir le lendemain de 28 novembre 1925, on a eu frappé. C'est suite de l'histoire, là. C'est trame ça, c'est tissu ça que je voulais aux gens évoquer pour nous aujourd'hui. Si c'est un bon le bail qui est important encore aux gens dans 70 c'est que l'expérience nous fait en 78-81 que c'est important pour l'amener nous en analyse autocritique de jeunes te comporter nous période ça
Parce que même qu'on croit que nous tenons une sorte de triangle de Bermude et que tôt ou tard nous avons coulé. Pour qui ça? Nous t'es en jeu tout dilemme qui te gagne, même au sein du régime du Valéris même, c'est-à-dire lutte entre clans, entre classes. Nous t'es au milieu, en sandwich, dans toute lutte économique qui te gagne. Dans toute connexité qui gagne entre pouvoir économique, pouvoir politique. Et, par contre, si nous avons ça, nous t'es servi avec nous, même au niveau international. C'est-à-dire que les ambassades. Comme caution. C'est-à-dire que, suivant que nous changeons attaché culturel américain, attaché culturel français, attaché culturel allemand, comportement nous changer, nous ne pouvons pas même rendre compte que le comportement nous change. Monsieur, ça va manipuler les presse là. Ça ne nous pas même rendre compte de ça. Et au sort, il y a tellement fait, Carlo, en 1974, le pali doit faire d'entrée Haïti en CARICOM. Nous sommes un ministre haïtien pour répondre à l'accusation que Michael Manley t'as fait à l'époque au ministre de la Jamaïque pour dire que Haïti n'a pas gagné démocratie, pas même une tentative de liberté de parole. Monsieur Rallet, samedi soir de l'époque. Et puis, il n'y a pas de liberté de parole en Haïti. Et puis, monsieur distribue dans la salle-là. Pour parler de l'utilisation que Nègre t'a fait, de même presse indépendante-là. Et l'utilisation, ça, il n'est pas seulement fait en 1974, il est fait de 1974 jusqu'à 1980. Pour soutirer l'aide internationale là, que cartel lui-même te mettait comme condition respect des droits humains, dont liberté de parole. Là. Donc pour nous autres, et journalistes sont obligés, je vous souhaite là, d'abord c'était la grande euphorie, comme je disais tout à l'heure, la grande illusion, à savoir que l'on jouait, et pas toujours en nous compte de ficelle qu'on tirait, au cas senti ficelle là, mais au cas pas ficelle là tout. Et je crois que c'est ça qui est arrivé nous durant la période ça. Et que 28 novembre 80, bon, un peu plus avant, c'est-à-dire depuis septembre, octobre 80, des sentis qu'on va y venir. Mais tout qu'on va pour nous signaler, c'est que, bah, qui fait le 28 novembre 80, hein, depuis le 28 novembre 80 jusqu'à 85, 86, ça a marqué la victoire d'une équipe politique dans ce pays. Et, bon, bah, si c'est pas équipe, ça, ils jouaient sous tête, bah, connaissaient la lutte pour le pouvoir. Et que le meilleur terrain pour la lutte contre le pouvoir, c'est-à-dire pour la stabilité politique, c'était d'abattre la presse. Et je me demande si, en dehors de toute analyse compliquée, si ce n'était pas une simple question pour une équipe de perdre au pouvoir. Eh bien, là, Carlo, je dois rappeler un bail. C'est pour me rappeler un bail. C'est que m'évoquer tout à l'heure une espèce de petite contradiction que tu as entre libéraux technocrates et dinosaures barons. Et nous, tu as joué de contradiction ça pour nous avancer, pour nous agir. Mais 28 novembre 80, résultat, yon pacte infernal entre deux tendances qui tous les deux viennent bailler la main dans la main pour dire bon, Abraham dit c'est assez, balle la finie. C'est tous les deux qui étaient d'accord pour mettre fin à balle là. Tandis qu'auparavant, yon tap fait yon yon ak lot, et nous te ka profiter de ça parce que yon te vle gen caution sous lot. Mais préparation 28 novembre, non, c'est, disons, mariage yon ak lot. Alors, pour nous franchir période là, en deux dates que nous sommes dit là, 4 novembre, 4 est tombé, et 28 novembre, yon dernier acte que presse la posé, qui montre une qui fait que yon pas ka kite ba ça, c'est Carlo Boss. Nous pas ka oublié ça. Ouais. Carlo Boss joue dimanche ça. Quoi, c'était 14 novembre, comme ça. Non, c'est ton samedi. C'est ton... Mais je vous dis, je l'ai ouvina, mon nom. Oui, oui, mais vraie bataille là, c'était le samedi, il était joué. Et là, quitte Radio Haïti, quitte Radio Métropole, nous mettons en ligne directe avec Bahamas, avec Washington, New York, pour nous faire information sous situation pauvre malheureux qui est perdu et choué son tisilé au large Floride. Et gouvernement du Valier le ça nous avons preuve que le te connaît depuis au moins 10 jours et que le pas fait rien. Et t'ai parlé personnel avec cabinet ministre Pinling le ça qui était premier ministre Bahamas et qui était bonne confirmation que le t'avait immunio depuis combien jours et que mon pas réagi. Nous sommes là ça on prévenu deux ministres avant que ma nouvelle là. Prévenu deux ministres parce que m'te gagné moi-même quoi que yo di une conscience profession et une conscience profession dans un contexte sociopolitique déterminé
chaque fois qu'on coule dans cas arrestation philo nan fè ka yo lo boss la, m te ba yo chans yo. M rele deux ministres pou m di yo, men sa ma pran. Nou gon chans pou m repon. Sa n pral repon. E m sonje Michel te bon kote, Michel son professionnel, Michel son diplômé Columbia, son formé à l'américaine, li gen tendance. L'événement, c'est l'événement. Michel dit, mais Jean, il faut sortir la nouvelle. Titan, m'a pas la kyo. Puis nèg yo a fait ti jouet. Alors ça, son lot parole en daki. L'homme moi ça, dit bon, ok, devoirs et devoirs, il faut m'baille nouvelle là. C'est pour dire que déjà le Saham t'es senti que mariage là, t'es fini consommé. Et que, en fait, c'était inéluctable. Ça t'a pas arrivé, t'es bien pour arriver. Gomba m'a bien aimé que, ou dit mariage, il ne faut pas comprendre c'est mariage Jean-Claude Michel. Mais non, mariage donc, là, non, c'est pas en question ultra de mariage. Ultra avec avec Nibéo, ah ouais. Qui tape en vent 80, qui était contre Yin Yang, pas vrai, mais en 80, pratiquement, dès les premiers mois, après bah, sur la presse, là, on t'est senti que ni l'un ni l'autre t'est considéré que rivalité t'est doué passer au second plan par rapport à danger que presse indépendante, presse démocratique et ébullition pays a été représenté pour tous les deux. C'est ça qui fait que consommer, ça me les mariages là, mais qui en fait une espèce de alliance des deux ailes du régime. Merci beaucoup. Et là, Gombaga est que pour nous signaler dans le pouvoir du Valéry, là, bon, quand tout le pouvoir, il y a des courants de contradiction là-dedans, mais contradiction développée en dedans, appareil gouvernemental là, c'est pas au beau temps. C'est-à-dire que les que par une crise, par un événement, etc. Mais depuis que nous avons une situation où le peuple a pris conscience, hein, où on parle démocratique qui a marché, ils ont senti qu'ils sont menacés. Les ça, ils ont mis tête ensemble parce qu'ils ont senti qu'il est difficile à menacer. Hein? Et c'est peut-être ça que ils ont entendu ça pour le coup 28 novembre. Non? Mais il faut avancer. Bon, alors, chaque fois, me dit nous, racontez-nous ça passe dans l'allée, hein? Et puis nous-mêmes, nous, qui nous campons sous 28 novembre? Bon, au niveau presse, après 28 novembre, imaginez que c'est une douche froide. Ouais. D'abord, Philippe Jefferson va faire une nouvelle encore à Radio Métropole. Non. Bon, je ne sais pas si c'est interdit, je t'ai dit, monsieur, ça, mais Radio Métropole va faire une nouvelle du tout. Non. Bon, au niveau local, ouais, c'est ça. Premièrement, c'était un petit peu difficile parce que nous avons refusé systématiquement de communiquer. Et me songeais après et 28 novembre 80, il y aurait les mlakama, on dit pour mal li on communiqué. On dit n'en est pas question. On pas li communiquer pour dire Marcus avec Elsie c'était des subversifs. On pas cap travailler collaborer avec mon yo pour comprendre mal li communiquer, c'est moi-même qui appelle. On refusait systématiquement. Me dit si c'est dans condition ça, m'pitou pas jamais faire nouvelle du tout. Et il était que des pressions assez fermes que un grand ministre d'État t'ai fait contre nous-mêmes époque ça. Pour dire nous si Philippe Jean-François pas fait même bouche li, n'a fait le faire même pour lui. Mais alors que moi-même t'as cap continuer parler. Mais il avait quand même moun ki ban opportunité parler radio. Faut quand même protéger le tout. Et alors, c'est ainsi que 28 novembre 80 vin fermer toute possibilité pour balle nouvelle. Évidemment, l'autre grand série de messages pour Balil, c'est à travers le livre, des comptes rendus de lecture, à travers l'analyse, on livre haïtien, que vous quittez paraître, on livre la littérature, le roman sud-américain, à travers une série d'œuvres littéraires. C'est seule façon, ou bien encore, à la rigueur, n'en fait-il pas les comparaisons avec telle situation dans tel autre pays, ce que mon camarade m'a intérêlé, la politique des autres. Alors là, justement, c'est l'occasion pour moi de souligner que. Après le 28 novembre, deux à trois mois après que tout le monde ait saisi le choc là, presse là pas suspendre combatif pour autant. Non. Pas du tout. Et je crois que si nous prenons le rapport chronologique, à l'occasion de fameuses réceptions qui ont été faites pour les journalistes,
peut-être au mois de mars 81, une grandiose réception, et que, entre toi qui as journaliste là, et que une seule attitude qui méritait la chronologie, ça, pour nous souligner, était peut-être une position publique que Joly Kyoté prend. Il était écrit ministre information pour le dire que, après le 28 novembre 80, il n'a pas qu'à participer à une réception en l'honneur des journalistes. Ce n'est pas possible. Et je crois que c'est le point de départ d'une autre forme de combat mené à travers le petit samedi soir. Bien entendu, c'était tout à fait particulier, c'était une sorte d'auto-éducation à l'intérieur du régime, c'est-à-dire la presse, une certaine presse était tournée en bagage de conseil, c'est-à-dire ben, conseil, corriger tel genre, on fait ceci, tel bagage pas bon. Mais ce n'était pas, comment dirais-je, une prise de position radicale, formelle, contre un régime. Il n'en a jamais été question. Et la presse a été qu'on prend position sur des sujets bien déterminés, sur des sujets ponctuels. Et je crois que pendant toute l'année 81, c'est ça qui a caractérisé la presse haïtienne. Mais il faut dire à partir de 82, pour le bon os qui va le faire. Mais avant d'entamer la dernière étape de saison ça, qui t'aime pour un petit pause pour nous capables de faire un petit résumé de ça nous est, pour nous démarrer dans la deuxième saison période lutte démocratique avec presse haïtienne. Machine l'État, gaz l'État, tel l'État, l'argent l'État, aïe aïe aïe, ma femme, l'amitié, est-ce qu'on est l'État? Mes amis, excusez-moi, mais j'ai l'impression que nous sommes fatigués parce que j'ai l'impression que nous sommes affaissés. Nous n'avons pas même enthousiasme non, ni même ferveur là, pour discuter, pour parler. Non, non, je n'ai pas quoi, non. Si vous voulez nous dire la vérité, Nabdouli carrément, c'est que l'année 81 et un peu l'année 82, je crois que nous avons dit affaissé, c'est tout bon. Et que comme Victor des autres dit là tout à l'heure, et que son année, c'est suivi, n'a pas suivi, n'a fait la planche. À part de trois bagailles en presse là, peut-être qu'il y a une autre illusion encore, n'a pas que ce moment vraiment pile. Il y a une autre illusion que quand il combat, qu'il fait, que quand il y a attitude combative, par exemple, Bob Néré, la radio, la politique des autres, il a fait marronnage encore, ou bien joli cœur de temps à autre, mais ou accepter, tu comprends. Mais on n'a pas qu'à dire que Anissa, c'est des années vraiment que. Exaltant. Donc on a 81-82. Parce que presse là, tu es vraiment plongé. Nous sommes capables de dire tout ça, on va aller côté. Faut monter en gens, penser blessure. Pour être capable de tout réfléchir. Font l'autre réflexion. C'est-à-dire qu'on y a là pour. Qui tactique que vous pouvez déployer pour capable de survivre. Et puis pour capable, non seulement suivre physiquement, mais suivre tout dans la dignité politique. Et pour capable continuer le travail, ça, qui pour maintenant, au bout. Alors que justement, 81, c'est ton année qui te paraît, jusqu'à mi-82, c'est ton année qui te paraît sans perspective. Et Jean Carlo Tabdilala, seul nègre qui t'a parlé, et qui te baille tête sur autorisation de parler parce que tu es dans le régime d'avant, c'était par exemple des nègres quand on comble joli cœur qui dit pas qu'a fait journaliste mes amis alors que compère fille de Dominique avec Marcus par là quand même et puis monsieur dit moi dois parler comme ça parce que monsieur petit régime non faut me dire nos vérités et monsieur me t'ai dit quoi 81 82 non était vu à cadre enchaîné monsieur dit que moi-même moi pensais que le gouvernement de Côte d'Ivoire depuis 28 novembre 80 son gouvernement insupportable son gouvernement intolérable. C'est pas possible pour nous d'accepter un gouvernement comme ça encore. C'est un bagage à l'époque qui était très osé. Mais c'est ton. On se dit à la 28 novembre 80, que vingt mon mariage entre ultra avec libéraux, technocrates. Mais après 28 novembre 80, tout, il y a des gens dans le régime dans fois ça qui commençaient à dire je crois que fois ça, le régime n'a retiré le masque net, déterminé tête, comme une dictature. Rigon là c'est vrai l'a soutenir nous mais problème dans pays a pas résoudre et c'est pas journaliste qui a créé problème yo journaliste qui caisse résonance problème yo intellectuel qui caisse résonance problème yo homme politique qui t'a parlé qu'une expulsion c'était caisse résonance problème yo t'ayé mais qui ça nous va faire pour résoudre problème yo parce que pays a boui et ces périodes tout dans opinion publique là mon a regardé c'est le grand gaspillage peuple a souffert de plus en plus beau people a prend la main. Et puis ces périodes que tu as regardé dans la télévision,
les grands carnavals, on prend les gros fêtes, gros réceptions, bon ici bon l'autre bon, et puis le luxe capital est dans figure mounio. Et puis son période tout côté classe moyenne une fois ça commencé ronger tout bon vrai par inflation. Par crise économique là. Enfin ça c'est pas peuple là seulement, mais classe moyenne a commencé à sentir un problème. Et puis à partir de 82 même bourgeoisie à Kounia, devant tout monopole ça que moun benet du allié commence à mettre dans pays à sous sucre, sous café, sous allumette, sous cacao, sous transport, sous contrebande, même sous trafic drogue. Je viens mettre monopole qu'on a même bourgeoisie a commencé à dire ah nous songeons le journaliste qui te dit et puis mon vin commencer rendre compte que nous pral arriver non point côté forgé on relève qui brise et pour mon dit ça doit vous dire et c'est à ce moment-là que l'institution lui-même et au moyen de presse li, l'église catholique et on l'autre l'église protestante tout avec Radio Soleil d'abord Radio Lumière ensuite parce que c'est eux même qui était à l'époque plus gros dans radio yo et qui pas de radio l'état qui était couvri qui couvrait presque tout territoire national là c'est eux même qui viennent prendre relève ça Jean Radio Haïti t'a fait ça Marcus avec Philippe Jean-François LCT a t'a fait une Radio Métropole et puis ça Radio Classique a pensé fait mais non ti échelle parce que lui même c'est 1 kilowatt 2 kilowatt. Et puis, monsieur, ça a rentré dans la bataille. Il n'y a qu'un avantage que la presse démocratique d'avant, de 20 jusqu'à 20 novembre 1981 n'a pas gagné. C'est que la presse, ça, elle n'a pas couru aucun côté, sinon que le tape chercher où le peuple. Et que le peuple a été sympathisé avec lui parce que le peuple a mis quoi. Mais la presse, ça, elle-même, elle couru dans une série d'institutions qui ont des bases internationales. Ce qui balie donc en force économique, ce qui en indépendance donc. Et ce qui balie tout en force politique. Et qu'il faut réfléchir en pile avant qu'on fonce sur eux. Et c'est l'époque ça que Radio Soleil commence lui-même à monter. La montée qui Jean, lui fait évangélisation, en forme d'évangélisation. Côté la met action sous nécessité de faire moun pas conscience, etc. De problèmes yo, côté pour moun solidaire, l'une de l'autre, de la naissance jusqu'à la mort, même si arrêtons moun, faut moun kage courage à demander pour lui, etc. Pour qu'on défende Kali. Et puis, quand on a fait tout, formation mounio, formation civique, yo, et côté on a commencé à bailler des informations. Et on a tiré une leçon de l'expérience qui était faite avant de presse démocratique jusqu'à 80. C'est que même la bonne information, on n'a pas cité non mounio vraiment. Nos journalistes qui ont parlé, ou pas qu'on aime, son voix. C'était anonymat total. À un point tel que, dans décembre 85, début 86, le police du Valais a cherché qu'on est qui n'est pas de nouvelle dans la radio Soleil, qui n'est pas de nouvelle dans la radio, lui, mais il n'a pas foutu de jouer de parce que n'est pas de nom. N'est c'est la radio. Ou pas foutu de nom. N'est-ce que tiré le son de ça que t'es passé Jean-Dominique, de ça que t'es passé Compé Philo, de ça que t'es passé Compé Plune, de ça que passé Marcus, etc. Il n'a pas parlé de nom du tout. Et puis il a poussé information, il a poussé nouvelle. Donc 82 sont années importantes tout à partir donc deuxième matin là c'est date côté où pas relève on relève institutionnel c'est là qui est important l'église a changé de politique si nous capable parler comme ça et Radio Soleil a prend relève presse démocratique qui t'est gagné et qui t'est fait y était détruit. Je t'ai pensé que tu es détruit le 28 novembre 80. Mais dans l'année 82, ça, faut signaler et que presse là, pour un coup, et je dit à la fin de l'année 82. Expliquez-moi. Avec l'arrestation du frère Gérard Duclerville. Ah ouais. On est qui, pendant, est très proche de l'église, dans la communauté ecclésiale de base. Dans-t-il l'église? Dans-t-il l'église? Et l'étape animée, n'est-ce pas, une émission. On sort d'émission, pas son nom très bien, mais sont en série l'émission L'Ouvrigé dans Radio Classique. À 5h du matin. 5h du matin. Et pouvoir du Valier, pas peur, à l'arrêter, monsieur. Tolon, le 28 décembre, 82. Qu'a frère Salésien. Alors, ouais, et que les cherchaient frapper l'église, pas dit presse d'église, là, mais les cherchaient frapper l'église, non pas au sommet, non pas dans Radio Soleil, mais dans base.
comprenez non côté peuple là parce qu'on est bon qu'on prouve pas les gens qui nous dans pourri une force au bon ennemi comprenez Gérard Duclerville sont hommes du peuple que lié n'est-ce pas dit bon on doit prendre ça me graser et là ça ça va le faire on levait de bouclier à travers tout le pays là et c'est là ça on prend le ouais on dit une unité qu'a fait entre dans mitan peuple là entre protestants et catholiques hein tout pour prendre position et puis le négociation vite faite le pape pour venir entrer ici comprendre il était quitté Gérard Duclerville était dans dans caserne là c'était disons en état n'est-ce pas de pourriture comprendre pas de clé pas de balle son etc et pourtant le peuple a pas venir et yo ba monsieur son y là et puis on mettait monsieur dehors comprendre parce qu'il s'agissait n'est-ce pas disons de faire plaisir au pape j'ai frappé Prestambil yo poté Gérard Duclerville son civier bah papa là en mars 83 le monsieur vini parce que monsieur pas même qu'a marché et monsieur même raconté après ça dans témoignage que le bail dans presse monsieur même dit que le médecin paraît dans cachot pour elle dans qui état monsieur médecin Kazen de Saline dit oh c'est l'état ça monsieur trop senti mal avec l'hôpital c'est dans cachot même pour me font bagarre pour monsieur et puis il a commencé découper derrière monsieur en morceaux tellement pour tirer chèque pourri c'est un bagage qui t'a affreux c'est premier test tout que pouvoir fait sous l'église il frappe le concernant dans base li et il frappe on est que masse populaire chrétienne était considéré comme un personnage presque charismatique on est qu'à parler qu'à faire la messe dans micro dans petit radio tant que radio classique dit bon n'a frappé petit ça et n'a pas ça qui va le passer n'a demandé que ne pas jouer réponse que je joigne non si on réponse côté peuple à lui-même et c'est pour une manifestation base vraiment côté peuple a commencé à écrire l'état droite à gauche à vider dans presse là et radio soleil radio lumière brûler l'état ça yo côté peuple a vraiment vrai me dit a bon bagage qui changer parce que 28 novembre 80 peuple a prend coup à le saisir l'encaissel 2 ans après n'est que commencer à protester et une protestation qui vient dans point tel que n'est que obligé vienne laguer monsieur alors que monsieur pour même qu'à camper parce que risque de débordement t'est déjà commencé à pointer. En d'autres termes, si me comprendre bien, Michel avec Ben parce que n'a pas raconté mon bagage qui t'est passé des dômes que me pas de connaître. Il y a deux éléments qui jouaient dans affaire Gérard Duclerville là et moi en pile comparaison, en pile analogie. Premier élément, c'est situation internationale là, c'est-à-dire et présence impérative de pape là pral vini. Deuxième élément, son élément de mobilisation base là sous question ça. En d'autres termes, pouvoir être pris entre en tenaille entre mobilisation base là qui t'est sensibilisé qui t'a réagi tout de suite et situation internationale là si me comprenez bien. Moi c'est sage hein. Ça veut dire que d'après moi-même, yo pas pensé que peuple là t'a pas réagi à ce point. Yo t'ai pensé que une fois comme d'habitude, tant que l'autre fois passé yo, yo t'a frappé et puis tout le monde t'a tellement saisi et puis monde t'a porté dans coquille. Fois ça yo rendu compte que peuple là t'est sorti pour correspondre avec eux-mêmes. Parce que me songer que t'es une grosse manifestation qui était déjà parée pour sortir m'quoi nous puis dans Saint-Gérard traverser toute ville là pour faire protestation. Pour demander libération, monsieur. Manifestation vient faite un an après. Okay. Même nous capables de dire. Deux ans après. Oui. Février 85. Mais ça, il était bien dit, c'est ton marche que tu as fait pour te demander libération chez Gérard Duclerville. Et pouvoir du Valais a venir en compte que pour la première fois, il crée un événement qui dépasse. N'est-ce pas obligé de venir là, monsieur? Moi, je me dis, qui a peut-être étonné, mais ça me dit, qu'un BFM. Et on t'a considéré Jean-Claude Duvalier avec ministre d'État comme principaux propagandistes de Radio Moscou. M'a expliqué. L'olvin pa rien presse parler en Haïti paysan yo masse populaire avec qui ça ou tourner. Yo tourner vers station on coûte yo. Combien station on coûte qui te gagne ta balle nouvelle en créole. Et qui t'a fait travail d'endoctrinement tout, c'était Radio Moscou. Donc, ils viennent dans une situation, sans que vous ne vous rendiez compte, ils ont été les propagandistes de Radio Moscou. Non, c'est vrai. Moi, je me songeais à l'époque,
gen deux trois moun ke m te mis avec yo. Le rive 7h du soir pa karete. Yo di mon chèn nou pa le temps nou radio pay progrès là. C'était sous pa ki te kembe. C'était sérum yo. Yo do yo te kondu rien. C'était sérum yo parce que à l'époque 80 81 Radio Soleil 82 pour commencer. C'était époque où nèg yo pou ko joine non côté pour te capable tendez une parole qui te fait au plaisir. Il faut nous pas oublier tout Philippe pour ajouter que technique là qui vient entrer en Haïti là de a fait de multiplication transistor. Surtout ces émissions et ces transistor short wave yo. Son bagage qui joue pour japonais. Ouais, son bagage qui joue contre le gouvernement en tout. Parce que nous songe même dans monde les qu'on les plus éloignés. Nous songe qu'on les moins agronome qui t'a vous témoigner, je dis mon cher moi ils vont côté dans tête en monde dans zone Makaya. Ils ouvrent le fond travail, je dis me côté où t'as dit la civilisation pas entrée du tout. Ça les civilisations. Hein? Je dis me river là. Et puis vers 6h30 du soir, habitant yo dim paysan mon yo dim ah ago. Nous on son bon nèg là, nous pas le faut tant on basse. Et puis monsieur allé et puis là le gars de mener dans bon tonnel, monsieur habitant monton véritable club d'écoute. Et puis nèg monsieur nèg pas être avec un petit transistor japonais shortwave et puis lui même bagaille là, yo tande le religieusement et puis l'heure fin tande li, yo discute entre yo. Et puis on dit, Ago, l'on descend la ville, il ne faut pas dire ça, il faut attendre, non? Donc, c'est des bagailles qui viennent après 28 novembre 81, et qui montrent que même le quoi prend des coups, les plus durs, mais le peuple lui-même, il développe en même temps des capacités de résistance, et que lutte les a développé sur des terrains qu'on n'a pas supposé. En d'autres termes, tu gagnes une concordance entre bataille que presse là et spécialement radio t'a fait en vent 28 novembre 80 et disons capacité combat que peuple a t'a développé progressivement et qui vient hélas après 28 novembre 80 coïncider par une série d'initiatives que masse peuple a prend pour ouvrir pour lui-même espace liberté que t'a besoin pour le fonctionnaire. C'est comme ça que me comprends une question hein? D'après deux exemples que nous sortons bail là, exemple du Radio Clairville avec mobilisation, hein, et puis exemple de clandestinité Radio Shortwave. Mais nous allons prendre pause. Dernier segment de notre forum démocratique, dernier petit bout de petit pièce dans Calfou Démocratie, émission Radio Haïti. Hein. Philippe Jean-François, sans penser de saison ça que nous avons discuté, hein, que nous avons évoqué. Hein. Bon, on a bien vraiment qu'on précise qui saison 80, 86. Oui, disons même plus 82, 86. Bon, pendant la période ça, ça me cap dit, c'est que ça, monsieur, t'es développé tout, c'est que le pas grand pile bagage qui passait. Mais les bons bagages qui est très important par contre. Vers 84, c'est le ça, on s'est eu le petit journal qui commençait par être, dont l'information. Et bon monde me signaler qu'ils font un travail extraordinaire. Monsieur prend coup plusieurs fois, il a arrêté monsieur plusieurs fois, monsieur dégagé le sortir Mamounio. C'est Marcus Plaisimont qui joue un rôle vraiment extraordinaire. Monsieur non seulement l'a écrit dans le journal là, mais monsieur te gain un appareil photo ou bien une série d'appareils photo, l'a fait photo tout partout. Monsieur on dirait que chaque fois, chaque semaine il te gain rendez-vous à Roger Lafontaine. Chaque semaine il bat monsieur enseignement. Ou bien il m'a dit, monsieur, qui sont vlés? Il dit, pas rien. Hein? C'est travail, moi, j'ai besoin de faire. Et, non, à fait, go naïve, là, on est que Marcus Plaisimont, il passe en pile problème. Il dit, j'ai le serré go naïve, là, a fait, Timoun, il était mourir. Époque, Jean-Claude Bocot tombé, monsieur, à l'Ocap haïtien, peuple a forcé de quimbé, monsieur. Serrel, cachel, pour pouvoir après. Et c'est ça que monsieur font un travail extraordinaire. Le Roger Lafontaine fait un référendum bidon et que monsieur bal 99% et 99. Monsieur dans le journal d'information, monsieur passe Roger dans bêtise. Roger voye chercher monsieur. Monsieur voye 2-3 karatéka, kazen les alines vin prend monsieur. Monsieur prend 2-3 coups. Mais monsieur toujours sorti en bas, monsieur. Mais chaque fois, il recommence et pire. Monsieur, c'est ton boule tennis. C'est ton boule ping-pong, ton balle ping-pong.
plus ou prend plus que il recommence et pire. Monsieur font retrait et monsieur recommence. Mais c'est qu'on ça peut pas essayer. Ou est que de 80 et à 84 gouvernement Duvalier chercher pilon le peuple là, mais peuple a résisté. Et c'est ici au quoi le n'est-ce pas en mai 84 ou gain gros événement qui pose Gonaïve là et c'est première fois de manière spectaculaire moun yo campé devant représentant gouvernement Duvalier hein ministre d'état qui était voyé toute autorité militaire préfet tout bail ça yo yo dit gouvernement ça yo pas ville encore yo voyé commission ba Jean-Claude hein nous qui soit faire l'argent pays a nous va faire bal $1,000 nous qui comment dans qui bêtise l'argent pays a passé et que fon fini avec bagay ça et les ça presta joue un grand rôle m'a dit non et préparation ça bon presta te joue un rôle en ce sens que et à travers télévision on sait de image de Luc Duvalier de Gaspard Duvalier mais coup bagarre la passé Gonaïve on radio ko radio soleil n'est-ce pas relayer question et radio hein? Lumière aussi radio lumière relayer li hein et les ça à partir de Gonaïve là on commencer que et moun commence à bouger sérieusement hein moun commence à bouger sérieusement là gagné en novembre et disons fin octobre début novembre 84 il a arrêté moun et en Haïti d'histoire intellectuelle d'histoire technicien etc. hein et sous prétexte de l'élément subversif etc. cetera et dans caché etc. et bien on radio ou radio soleil et protester contre question c'est les sont pour gagner CHR hein conférence haïtienne des religions n'est-ce pas qui parle sur ton texte qui parle bagaille c'est les sont gagner préfet au cap hein qui parle faire menace en dans l'église même en dans l'église on prend et puis les ça radio soleil n'est-ce pas camper et laisse ça gouvernement du Valais pour le fond bagaille qui grave il pour le fermer radio soleil c'était premier fermeture radio soleil là ouais justement et époque c'était fermeture radio soleil ça c'est venu peut-être 84-85 mais je crois que l'été bail lieu à une série de manifestations c'est-à-dire l'église était senti il frappait même alors là ça m'a obligé de faire une petite différence est-ce que c'est la presse frappée mais l'institution que l'église est frappée aussi et je fais la différence maintenant est-ce que si c'était Radio Haïti Inter ou bien Radio Métropole qui était fermé pas vrai si peut-être que ça t'a bien toutes conséquences ça c'est ça et moi je considère ce genre de presse comme une presse privilégiée nous, c'est-à-dire fait, soutenue par une institution nous solide en quelque sorte Carlo a un élément extrêmement important parce que on a couru sous période nous va vivre là de différence en Radio Soleil et Radio Lumière, il y a deux organes de presse qui pas simple, deux organes de presse qui chita son structure et complexité lutte politique qui t'a mené à travers la presse là, vin fait que Radio Soleil et Radio Lumière en bataille là, y ont été reposés sous structure de base ça qui était une structure de mobilisation. Et là, je vais évoquer le rôle Radio Soleil et Radio Lumière dans une situation que je vis de loin et que je vais compter plus. C'est affaire référendum. Non. Je dis que c'est une campagne extraordinaire. Eh bien, justement, époque référendum. Non. Et manque pour parler, Philippe. Bon, eh bien, ça, comme qu'a dit, c'est que la télévision, coûté par exemple Télé Nationale, c'est un bagage affreux. Bon, faut me dire que. Et généralement, chaque fois qu'on connaît que vous parlez de référendum, tout le monde, même geste, vous éteint le bouton radio. Vous fermez radio. Vous fermez télévision. Bon. Non, télévision, c'est un bagage extraordinaire. Et les faits comptés, vous pas jamais rien. C'est que le peuple a boudé systématiquement le référendum. Là. Personne, tout le monde, dire que vous fait, vous poussez propagande à un point tellement loin que les faits comptés, vous pas jamais rien. Parce qu'au niveau des communications, au niveau des communications, son bagage est très important. L'on pousse une propagande tellement fort, il finit par un effet contraire. Tandis que au niveau de Radio Soleil, c'était plus nuancé. Si nous sommes bien, Radio Soleil avait des programmes éducatifs qui pour montrer mon sacré les référendums. Radio Soleil a plutôt profité de cette époque pour faire un programme civique. D'éducation politique. C'est-à-dire sans référendum, sans élection. Et depuis là, ça n'a pas d'élection. Sans élection. Et... Mais avec une nuance très ironique. Radio Soleil n'a jamais boycotté le référendum. Tout simplement, Radio Soleil a toujours mis en question
la formulation des questions. Parce que question référendum, c'est une question très piégée. C'était l'acceptation pure et simple de la présidence à vie. Bon, mais il faut le dire aussi que après référendum et reportage référendum Radio Soleil là, c'est un reportage plus mémorable qui a gagné l'année 85 là. Alors que d'un côté, on obtenait que ce sont des foules d'intellectuels, d'avocats, de ceci, de cela qui pourraient voter. Radio Soleil, du coup, c'est par exemple tel côté, pas une personne. Tel côté, pas une personne. Donc, il a essayé sans commentaire, c'est-à-dire au reportage. Établir les faits. Établir les faits à partir de correspondants. Et même à cette époque, ils ont même utilisé des correspondants avec des voix que vous n'avez jamais essayé avant, de telle sorte que vous ne pouvez pas reconnaître qui correspondent, qui a payé. Mais. C'était pour moi un alliage extrêmement intelligent pour montrer leur force, leur pouvoir dans la concrétisation de la vérité, c'est-à-dire que dans la retransmission et des faits tels qu'ils étaient passés. Alliance intelligente pour montrer leur pouvoir, nous arrivons là dans nos questions en tout. Et je crois que c'est ça qui est important pour dernière partie, dernier petit bout d'émission, ça, avant nous qu'à conclure, bien que. Nous t'ai dit 86, mais en fait, nous pourrons terminer à novembre 85. Alors peut-être que j'aime mal dire, alors peut-être que j'aime dire, ben là, on va tomber sur une double question. Ça veut que si on peut essayer de filtrer pouvoir presse là, à travers les Radio Soleil, là, on peut poser la question ça, est-ce que le pouvoir du Radio Soleil, c'est le pouvoir de l'Église ou le pouvoir de la presse? On croit qu'en pile nuance. L'effet de Radio Soleil traduit-il le pouvoir de la presse haïtienne ou le pouvoir de l'Église haïtienne? Pour moi, c'est là et question. Et je ne crois pas qu'il y a une réponse facile à la question, ça, Maître Ben. Bon, pour moi-même, Dadi, c'est le pouvoir d'une certaine Église. C'est-à-dire l'Église qui font option nouvelle, ou bien qui a accepté, appliquer en Haïti, une option qui fait depuis 62, et disons l'option préférentielle pour les pauvres, en vrai, qui fait depuis Vatican II. Et je crois. Ça, c'est le pouvoir, n'est-ce pas, disons, de l'Église, à travers la presse. C'est comme ça, m'a dit. Tandis que, on l'autre point de vue, tout, d'avouer que l'Église, là, lui-même, qui traversait le courant différent, l'Ivini subit presque involontairement une influence à travers médium radio de toute base populaire pays-là qui gagnait une série bagaille que le besoin dit et que radio a pour transmettre. En d'autres termes, deux face problème non, montrez-nous que réalité alliance soudure Radio Soleil, l'église Radio Soleil, réponse là pas tellement dans définition pouvoir l'église là ou définition pouvoir radio, réponse là m'quoi c'est non, disons le mot niveau conscience politique masse populaire haïtienne yo qui moi quoi et me bat là donc même senti qui vient progressivement élevé et qui vient exercer une pression sous toute institution qui était réceptif à pression ça. Bon, les gros bagages que m'ta ramen signaler avant que terminer son bagage qui est très important. Jusqu'en novembre 80, la presse servait comme défouloir. C'est-à-dire que la et servi de caisse de résonance en série de revendications. À partir de 85, Magal a vini changer. Li vini gon presse qui à niveau population, à niveau masse populaire et soutenu par masse populaire. Émergence Radio Soleil là, très important dans phénomène ça. Et très significatif. Très significatif. Mais bon problème tout pour nous approfondir question hein. C'est que on a un pays qui est en état de crise, une crise profonde, une crise générale, et qui anime tout pour un respect de dynamique. Donc, ni crise là, ni dynamique là, il traverse toute institution qui gagne dans le pays à tout. Que l'Église, et que les institutions, tant qu'on radio, qui dépendent de l'Église. Donc, ce qui fait que, leur comprendre c'est où même seulement qu'à fond bagarre, sens unique, et qu'à passer parole ou à travers la presse, les agissons mounio vignes jouent nous. Et puis, il agit ou tout. Il faut faire des bagailles que ou pas de compte fait. Parce que ou vine le ça arriver dans un moment, côté où on a fait, où on nous compte vraiment avec des êtres humains. Il y a une conscience, il y a un jugement, il y a poté, sous ce qu'on a fait, sous ce qu'on a dit, et il y a une dit ou lit. Et dialectique ça, Michel,
tout journaliste professionnel éprouvé, tout journaliste professionnel dans le pays, tant qu'au Haïti, côté un journaliste professionnel pas capable d'éviter un engagement militant pour changement pays, pour changement société, et dialectique ça, nous vivons comme pratique quotidienne. Même rappelez-nous que temps passé, nous t'es baillé tête nous à Calfou démocratie deux heures de temps, moins quoi, l'île de temps, pour nous prendre dernier petit pause là, avant nous conclure. Fantasque Boutique annonce sa grande liquidation de fin de saison. Passez dès aujourd'hui et profitez de nos 40% de rabais sur les articles suivants. Robes, jupes, corsages, blouses, pantalons, bikini, jaquettes, chemises, colliers, boucles d'oreilles et j'en passe. Fantasque Boutique prêt à porter, c'est à Pétionville, au 18 de la rue L'Ouverture, entre les rues Grégoire et Lamar. Contactez-nous au 73384 et vous passerez à Fantasque Boutique prêt à porter. Ciao! Mais là, que nous arrivons sous novembre 85, avec une petite analyse, une petite mise en perspective de rôle Radio Soleil, rôle l'Église et rôle pression bataille masse-peuple là, t'as exercé sous toute structure, tant que Michel dit. Novembre 85, 7 février 86, ça c'est une autre saison, et je crois que ni Michel Souka, ni Victor Benoît, ni Carlo Dizinor, ni Philippe Jean-François sont d'accord. Il faudrait évoquer saison ça avec toute implication, tout courant, toute tendance, toute perspective dans une autre émission Forum Démocratie, Calfou Démocratie sur Radio Haïti. Merci messieurs et m'espérer que nous sommes capables de dire un dernier petit mot avant de saluer l'auditeur. Tizik parce que tu en écoutes. Nous avons dit auditeur que nous avons tenu l'autre occasion pour nous capables de continuer à poser problème pays. Et nous t'a souhaité que yo voye lettre ba nous, yo critique nous, yo dit non que ça nous dit pas ça et moun ki vle encourager nous ba nous document ki vle venir de nous parler, nous là n'attendu. En fait moi je dis merci pour l'invitation qui m'a été faite de participer à cette émission parce que je crois que la presse est un sujet extrêmement important. Moi comme rapil ba m'ajouter sauf que je dis am devem devant micro et m'ai courage parler. Merci Michel, merci Ben, merci Carlo et merci Philippe. Merci Michel, merci Ben, merci Carlo et merci Philippe.